Bonjour et bienvenue, on est de retour dans la survie du week-end. On est prêt à partir. On est prêt à partir, on est à 39. On n'est pas prêt à partir. Il me manque des trucs. Ça. 2, 2, la scie, la hachette, le couteau. Arc 93%, très potable. 20 flèches, que des flèches simples. Pas des flèches taillées dans le feu. Honnêtement, ça sert limite à rien. Parce qu'on a tellement de feu. De flèches normales en fait de côté. Des flèches taillées dans le feu, ça sert à rien. Durcies au feu. Ça sert plus à grand chose en fait. C'était fun, mais c'est vrai que ça me prend la place pour rien. Honnêtement, c'est pas très difficile. C'est bien juste pour si vraiment on doit tuer énormément de lapins, on va dire. Mais si c'est de temps en temps, on s'en fout. Les équipements, très très bon état. J'ai fait en sorte, parce que là on va partir pendant un petit moment. On va partir en un petit moment. Pour ceux qui savent pas, on va aller à Blackrock. 5-5-5 partout, très bon. On va aussi combattre des loups gris. Le retour des loups gris. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit en pleine forme. Il faut qu'on soit absolument en pleine forme. Une seule poêle à frire, ça suffit. Pas besoin d'autre chose. On a bien sûr, si on a des cordes à prendre, on a un extra 3 kilos. Je voulais en prendre plus, mais je me suis en fait après, vu que la plupart du temps je les utilise pas parce que j'aime bien conserver les choses, autant ne pas en prendre trop. Mais voilà, on en a 3, donc on a 3 kilos de maximum si jamais on doit prendre des cordes. Notre lampe est pleine, on a un appât. Je sais pas vraiment pourquoi on en a un, mais on en a un. 10, 10. On a le sac de couchage qui est à 99%. Parce que pourtant, je viens juste de le réparer. Mais le jeu est comme ça, c'est pas grave. Et on a ce sac qui est prêt aussi. Ouais, 99% aussi. Nickel. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On a 2 fusées nautiques. J'ai limite envie d'en prendre une troisième. Juste au cas où. On en a combien là? 3, 5. J'ai fait des boîtes de 20 allumettes aussi pour le fun. Ouais, non, c'est bon. Par contre, on n'est pas vraiment en forme. On va aller faire du feu. Alors, normalement, j'espère que le temps n'a pas changé. Normalement, il fait beau. Alors, j'ai passé des jours et tout ça pour qu'on ait un beau temps en fait quand on part. Et du coup, on est un peu. On est un peu tard en fait dans la journée. Hélas. Donc on va faire un feu. On va faire un feu de l'autre côté. Aussi j'ai fait ça. Donc cache pour la viande. Et vous vous rappelez comment ça fonctionne? Si jamais la viande est à 0%, elle disparaît. Lolilol. Donc je peux même pas. Théoriquement. Enfin en plus je l'ai fait en fait. Mais après j'ai quitté et rechargé ma partie. Parce que j'allais pas perdre genre 15 kilos de viande. Hein, que j'ai récupéré sur un Oh yeah, ours. Il reste quoi? 42 minutes? Ouais, on va te mettre un feu assez long, comme ça on pourra récupérer de l'eau quand on reviendra, c'est cool. Alors. Ok, ça me paraît pas mal. Voilà, très bien. Et je veux faire. Alors, j'ai des vieilles tasses en fait. Alors, attendez, je vais pas les mettre directement à côté parce que j'ai fait ça. Et j'ai autre chose. Non, peut-être pas en fait. Si, 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 si. J'ai une vieille tasse et j'en ai un peu de côté, vous savez. Ah oui, aussi. Alors, attendez, ça réchauffe, ouais. Aussi, j'ai regardé sur le forum et une personne a parlé de ça. Alors, je sais pas si c'est un bug ou alors c'est moi qui l'ai jamais remarqué. Ça, le repos amélioré. J'ai voulu le tester. Vous saviez que le repos amélioré, il partait pas tant que vous dormiez pas? Apparemment. C'est nouveau ou ça a toujours été comme ça? Parce que, bon, après, c'est vrai que j'ai toujours pris une tisane juste avant de dormir. Donc après, je dors. Donc je m'en suis jamais. C'est pas possible de s'en apercevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça part pas. Il faut que je dorme en fait pour que ça parte. Ça a toujours été comme ça? Ça, c'est ma question du jour. Voilà. On est bon, 34 minutes, je vais voir là, t'as 25 minutes, t'as 1 heure de feu, ouais on est bon. On va boire le café pour rester éveillé, et ça on va le garder de côté, ce sera notre deuxième...
notre deuxième tisane. Donc on va aller à la vallée charmante. Ok, on est bien. On va boire ça. Très bien. Let's go. On va passer par là, c'est pas grave, il y a le... Ah, ça nous a pas vraiment augmenté énormément le... Ouais. Il nous reste quand même un gros bloc qui manque hein, pour... comment dire le... La jauge là, pour être fatigué, il manque un gros bloc. Je pensais qu'on allait... Allez avoir ça. Je veux pas te casser. Franchement. En tout cas, c'est pas grave. De toute façon, on va devoir faire des pauses hein, pendant ce séjour. Donc, je voulais vous expliquer en fait en vous montrant des cartes, mais c'est vrai qu'on est déjà la moitié de la journée. On a un beau temps. Je voudrais vraiment partir maintenant. Même si je suis fatigué, je pensais dormir quelques heures en plus, mais ça va être trop tard après. Donc autant avancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Blackrock, comme je l'ai dit. Donc Blackrock, on n'a pas de métal sur nous, on n'a pas de câble, on n'a pas de fusible et pas de batterie, évidemment. Vu que c'est la première fois qu'on y va, donc avec de la chance, on a des fortes possibilités de récupérer tout dans le territoire de Blackrock. Même une batterie, parce qu'il y a énormément de voitures, donc c'est une possibilité. Après, on va passer par Blackrock en passant par le mont Timberwolf. Pourquoi ? Parce que c'est le plus simple à ma connaissance. Parce qu'en gros, Blackrock, il y a plusieurs entrées. Il y a deux entrées, je crois bien. Par contre, une entrée, donc c'est directement Blackrock, Timberwolf, Vallée Charmante. Donc c'est ce qu'on va faire. Et après, il y a une autre entrée, c'est Vallée Charmante. Puis après, c'est le col de quelque chose, enfin un col de montagne et tout ça, sud ou nord, ou alors nord. C'est peut-être le sud en fait, vu que Blackrock est au-dessus. Vu que Blackrock est au-dessus. Et du coup, il faudrait passer par là en fait. Et c'est une zone... Bah, c'est pas extrêmement grand, je vais être franc, c'est pas extrêmement grand. Mais j'ai pas envie d'explorer, en fait, une autre zone avant Blackrock. Sinon, on va perdre du temps. En fait, on va passer, genre, plusieurs épisodes à explorer la zone avant Blackrock. Et moi, je voudrais vraiment explorer Blackrock assez rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on va, on va faire le plus simplement possible. Donc, voilà. On est bien équipé, on n'est pas très lourd. On a plus ou moins tout ce qu'il nous faut. On a des médicaments, on a des ressources, on a des vêtements en très bon état. On devrait pas trop avoir de problème. J'ai deux fusées nautiques au cas où, si jamais on a une trop grosse vague de loups gris, on pourra leur faire peur. Après, il y a beaucoup d'endroits pour vous cacher en fait, donc ça va, c'est pas trop un problème. Donc voilà, c'est notre mission. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas pris de steaks supplémentaires. Ça c'est une super chose. Bien joué, bien joué. Ah. Très bien joué, je sais pas quoi dire. C'est bête. Donc je n'ai pas de calories extra, c'est cool. On va devoir chasser, s'arrêter à un moment, faire un feu, c'est cool. Sympa. Bien joué. Bien joué. Non, enfin, c'est pas grave. On pourrait revenir en arrière, mais j'ai pas envie.
Avec de la chance, on devrait avoir de la nourriture qui est à la vallée charmante. La vallée charmante va sûrement être notre point de pause, je dirais. Fatigue réduite, ok. On va. Alors, je voulais prendre la deuxième tisane pour les réchauffements, mais on va être dans le bâtiment et tout ça, donc ça ira. Ouais, j'aurais pu prendre au moins un kilo de viande, là, ça aurait fait 1000 et quelques calories. Ouais, non, j'ai été bête, c'est pas grave. Ça arrive, c'est comme ça. Et donc, pour les caches de pierre, là... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de lumière. Putain. Pour les caches de pierre. Donc ouais, au final, c'est vrai que j'avais oublié ce détail, c'est pour ça que du coup, je les utilisais pas. C'est que si votre viande est à 0%, si vous l'avez déjà mise avant qu'elle atteigne en fait les 0%, vous risquez rien. La viande va simplement passer à 0 et après elle restera quand même dans la cache. Mais si vous avez de la viande en extérieur et qui est à 0%, vous la perdez. Parce que tout ce qui est à 0%, en fait, vous le perdez dans le jeu si vous le mettez dans des containers. Et c'est vrai que j'avais oublié ça en fait. J'avais oublié ça. Et du coup, ben, je ne peux pas l'utiliser. Je peux juste mettre ma viande qui a encore quelques pourcentages. Mais bon, au final, ça sert un peu à rien, quoi, du tout. J'ai envie de dire, autant tout mettre par terre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Autant... On s'en fout, quoi. Autant tout mettre par terre et puis basta, quoi. Ouais, fait un peu sombre, quand même. Attendez, ben, y a juste la porte, là, ça va. Ouais, bien. Donc ouais, c'est une mauvaise chose. C'est une très très mauvaise chose, ce système-là, quand même. Pourquoi il aboie? Tu crois qu'il m'a aggro, là? Déjà? On va voir. Non, non, c'est un lapin, ok, ça marche. Très bien. Ah, ça m'embête le coup de pas avoir pris de la nourriture supplémentaire, ouais. C'est embêtant. Il doit être juste là. Ouais, juste là. Après, c'est pas comme si on manquait de calories techniquement, donc ça va, hein, c'est pas grave, grave. Mais bon, c'est bien d'avoir des calories d'avance. Ouais. Alors, je pense que on va essayer d'avancer le plus possible dans cet épisode. Je suis pas certain qu'on arrive... Ça dépend du temps, vraiment. Mais je suis pas certain qu'on arrive à Blackrock. On verra. À la limite, je pense que le Mont Timberwolf ou la Vallée Charmante, ça va être notre grande pause. Ça dépend vraiment si on a des tornades ou des trucs comme ça. Pas des tornades, qu'est-ce que je raconte? Du blizzard ou pas? Après, on a quelques cordes à prendre aussi, ça va nous fatiguer. Donc, ouais, faut faire gaffe. Alors après, Blackrock est dangereux. Blackrock est dangereux. Je conseille vraiment pas d'y aller tant que vous n'avez pas la cuisine niveau 5. Car de ce que je me rappelle, il y a énormément de prédateurs en fait. Énormément de loups gris, énormément de problèmes. Et du coup, pour manger, c'est un problème aussi. Il y a des endroits avec des biches et tout ça, des cerfs et tout. Mais ils sont pas vraiment nombreux et assez difficiles pour y accéder en fait. Faut beaucoup marcher.
de ce que je me rappelle. Donc ouais, je conseille vraiment pas d'aller là-bas tôt en fait. Ça a été une belle perte de temps quand même hein, de construire ce truc avec 50 morceaux de cailloux là. Ça a été une très très belle perte de temps. Très heureux. Aïe aïe aïe. Je commence à plus rien y voir. Ok, on est bon. Comme je dis, on va sûrement devoir faire un feu à un moment. C'est pour ça que je commence à prendre des bouts de bois. Donc là, on devrait arriver directement à la vallée charmante. C'est pas très très compliqué. On va être en bonne santé. On n'est pas encore trop trop fatigué. Je vais prendre du charbon. Donc en théorie, on devrait pouvoir faire facilement la moitié de la vallée charmante. Donc ça c'est une bonne chose. Peut-être qu'on peut arriver jusqu'au bunker qui est juste avant la corde en fait pour le mont Timberwolf. C'est ce que j'espère en tout cas. Alors je sais que c'est un peu sombre mais on devrait... Ouais on arrive à la sortie directement. On est bon, on est bon, on est bon. Voilà, très bien. Je voudrais pas rester longtemps dans cette région-là à cause des blizzards qui sont tout le temps très nombreux. Donc je voudrais vraiment partir vite. Ce qui est assez étonnant, ce qui se passe en fait, c'est que s'il fait bon dans une région et qu'on traverse en fait la région assez vite, on aura plus ou moins un beau temps qui va durer un petit moment dans la région d'après. Et après, en gros, la région commence son rythme d'avoir son propre temps. Genre là par exemple, on a encore une bonne température. Donc je voudrais en profiter. Ça va, ça se passe bien. Je crois même pas qu'on va faire une pause à la tour. On va peut-être directement descendre, vu le temps, honnêtement. Je vais peut-être en profiter, ça nous fera gagner du temps. Qui commence à se lever, ça y est. Ça y est, ça commence. La tour est juste devant nous. Ouais, on va bifurquer directement sur la droite, descendre et essayer d'aller directement dans la ferme, en plein milieu. Comme ça on pourra voir si on a déjà de la nourriture qu'on pourrait grignoter vite fait, se mettre à
se remplir l'estomac, puis après on repart. Oh, les pigeons. Les oiseaux, pardon, c'est pas des pigeons. Il peut en avoir là. Ah, ça m'embête. C'est tellement rare de les voir. J'aimerais bien en fait en prendre quelques-uns. Mais... ça... ouais, non, le duvet c'est trop long à récupérer et tout. Le duvet est trop long à récupérer. Donc si on est en voyage, non. De toute façon, on en a 10. Donc la seule chose à réparer avec le duvet pour le moment, c'est notre couche intérieure là. Et à chaque fois, c'est 2 de duvet. Donc ça va. C'est pas... on peut réparer 5 fois quoi. En théorie, c'est largement suffisant. Ok, c'est plutôt par là. Ça coûte beaucoup cher en peau. Hein. Ça coûte beaucoup de peau de quand même de maintenir les vêtements de très haut niveau. Après, on a eu pas mal de beau temps quand on sortait. Donc du coup, ça s'est pas vraiment trop détérioré. Donc ça, j'ai eu de la chance. Mais j'avoue que là, en ce moment, on va dire, je sur-répare mes vêtements. Je devrais pas. Il va falloir que je fasse des pauses et que j'aille chasser des ours, des cerfs de nouveau. Parce que tout disparaît très vite, hein, au bout d'un moment... quand vous commencez à réparer les choses sans arrêt, ça va très 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 vite. Mais bon, j'avoue que c'est intéressant quand on se balade. Parce que là, ça se passe super bien. Alors, on a un loup à gauche. Est-ce qu'on irait le chasser, lui? Pour récupérer de la viande. On va voir ce qu'il y a ici. Parce que, je vais être honnête, je me rappelle plus vraiment ce qu'on avait laissé. Donc on va voir ça. S'il faut, on a strictement rien laissé, donc on va devoir chasser. On est quoi? On est quasiment à la moitié. Il n'y a rien de ce côté-là. Rien du tout ici. Et rien du tout là. Okay. Strictement rien, c'est cool. Alors, ça c'est du 9. What? Ah oui, c'est vrai qu'on n'est jamais revenu ici. Depuis qu'ils ont rajouté... depuis qu'ils ont rajouté les nouveautés, les ingrédients. Aïe, aïe, aïe. C'est possible. Oui, c'est fort possible même. Ouais, complètement. Ok, donc faudra qu'on vienne récupérer tout ça. On va faire un tour vite fait. Ce qui est bête, c'est qu'on perd des chances en fait de trouver plus de ressources pour faire à manger. Parce qu'on a déjà vérifié tous les...
les boîtes et tout ça, en fait. Tous les containers. Donc du coup, il y a vraiment peu de chances de trouver des choses. Ça c'est vraiment agaçant, ça. Bon, par contre, là, c'est déjà pas mal. Du sel, de l'huile, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin. C'est le plus important pour moi, je crois bien. Donc, une bonne chose. Faut voir si il y a pas, s'il n'existe pas un sac de patates. Peut-être dans le sous-sol. Peut-être au sous-sol. Oh, j'avais jamais fouillé ça, apparemment. On va aller voir le sous-sol vite fait. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Il faut qu'on boive, faut qu'on mange, faut qu'on dorme. Ah, dormir ici, c'est peut-être pas vraiment nécessaire. On peut peut-être, comme j'ai dit, dormir devant la corde en fait. Ah, évidemment, c'est tout sombre. Alors là, il n'y a rien. Alors, il nous faudrait un... Ah, parfait. Très bien. Allez, une au moins. Très bien. Très, très bien. Ça m'aurait étonné aussi qu'il n'y ait rien. Ça m'aurait vraiment étonné qu'il n'y ait pas de sac ici. Ok, très bien. Ouais, ça m'aurait vraiment étonné qu'il n'y ait strictement rien. Bon, bah ça va, c'est déjà ça. Je vais... on va re-rentrer, on va poser ce qu'on a récupéré. Puis on va aller chasser. On chasse ici ou pas? Ouais, on peut chasser ici. Alors, on va déposer ça. Très bien. Le reste, on garde. C'est l'heure de la chasse, on va boire. C'est l'heure de la chasse, on va aller chasser le loup qui traîne. Je sais pas si on va faire un feu ici, ou alors... Ouais, on peut le faire ici, c'est pas très grave. C'est pas vraiment grave. Non. C'était de quel côté? C'était là? Faudrait... Pouvoir construire des tours de guet, ce serait vraiment bien. Oh, ok, ça c'est pas un loup ça. Ah, le loup il est là-bas. Ok, là c'est tentant. Il vient juste sur la maison? Ouais, il fait ligne droite sur la maison. Intéressant. Intéressant, intéressant. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Mettre là-dedans, il devrait pas pouvoir passer. Let's go!
Deux flèches? Ah, ok. Trois flèches. Bon, bah c'est très bien. C'est pas vraiment quelque chose que j'attendais, mais c'est très bien. On va faire un feu à l'extérieur. On va faire un feu ici. Comme ça, il peut pas être soufflé, en fait. Barbecue artisanal. Oh! Merci. Des fois, je vérifie parce que je me rends pas compte, en fait, si c'est assez clair ou pas. Mais apparemment, c'est assez clair. Je pense que la lumière est ou ressortie ou... j'en sais rien. Tant mieux. On va en profiter. C'est la première fois que j'utilise ça, par contre. Barbecue artisanal. Même le son et tout, c'est la première fois que j'entends ça. Non. Putain, ça en fait du boucan, ce truc là. Je crois qu'on lui a mis potentiellement les trois flèches dans la tête, je crois. Je pense, hein, je pense qu'on lui a mis les trois flèches dans la tête. Donc c'est plutôt cool. Ah merde! Il m'énerve ce truc. Vous avez vu, il saignait et tout. On va prendre la peau, on va la rentrer. Et on va la poser. Il y avait plein, on avait plein de tissus ici. Pas mal. Parfait. Pour question, j'ai toujours mon bœuf. Si ça, alors si ça c'est pas un bug et que ça a toujours été comme ça, franchement, je risque de l'utiliser plus souvent. Mais bon, après c'est vrai que c'est un peu du bœuf gâché en fait, parce que là, si j'ai pas besoin de me soigner, ça me sert à rien. Ok, on a le vent qui se lève. On va essayer de récupérer un peu plus de nourriture. Je dois bien prendre quelques boyaux aussi. J'espère que ça, on peut pas le souffler, hein, le feu. Hein. J'espère qu'on peut vraiment pas le souffler. En théorie, non, parce qu'il est protégé. C'est comme les barils. Donc en théorie, on peut pas le souffler. Il y a intérêt. On va boire un coup. Je crois que j'ai entendu quelqu'un marcher. Il y a quelqu'un. Okay. Quarante-sept minutes. Je devrais le tuer. Il va sûrement revenir encore une fois. Il a peur du feu.
truc qu'il nous faudrait, c'est de l'eau aussi. On va peut-être aller récupérer les faitous à l'intérieur et on les met à l'extérieur pour faire de l'eau. On va peut-être faire ça. Ah. J'espère qu'il... Normalement, il a pas senti ma viande, donc il va pas me la bouffer, mais... Ouais, du coup, on va devoir dormir ici, en fait, je pense. Attends, je me suis mal mis. Je me suis mal mis, mal positionné. Non, il est très embêtant, lui. J'aurais dû mettre les faitous avant, parce que ça nous ferait gagner du temps. 6 minutes. Trois flèches abîmées. On est toujours pas à Blackrock. Ça cuit plus vite, du coup. 46 minutes. Oh! On va reprendre des boyaux. J'en profite, hein, parce que toujours avoir des boyaux de côté, c'est quand même vachement utile, hein, dans tous les coins. Après, c'est pas mal, du coup, ça me permet d'avoir un meilleur camp ici. Donc, je vais être honnête, c'est pas si mal, la petite chasse qu'on a, là. Ah, ça va être tout sombre ou pas? Je vais pouvoir me repérer. Attendez, on va se mettre juste devant la porte en fait. Quitter la ferme. Donc ouais, c'est pas si mal parce que du coup quand on passera ici, on aura vraiment genre un buffet de près en fait. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. C'est... Ouais, c'est un peu... On va dire que c'est la... pause, elle est pas vraiment arrivée au bon moment, au bon endroit, mais ça vaut le coup. Putain. Est-ce qu'il va pouvoir passer le feu? Normalement oui, parce que je suis pas à côté. Ouais. Non mais sans déconner là. C'est bien, hein. Alors, ça, ça. Ouais.
Après, on va me dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec les loups en ce moment. Non, pas du tout. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ça. Après, honnêtement, on a suffisamment de flèches, hein. C'est pas très très... Ça va, quoi. C'est pas trop grave. Après, il y a une chose que je suis très content, c'est qu'on n'a pas dû utiliser de... Comment ça s'appelle? D'allumettes. Donc ça, c'est cool. C'est bon? Tout le monde est... Ça va? 30 minutes, on a encore 2 heures de feu, on est nickel. Comme d'hab, les loups, honnêtement, c'est pas très très intéressant. On n'a pas besoin de la peau, on n'a pas besoin de la nourriture parce que... l'ours, c'est plus de calories, ça sert à rien, quoi. Minutes. Mais le plus intéressant reste boyau et les nourritures de l'ours. Notre couteau s'abîme pas vraiment aussi, ça c'est une bonne chose. J'ai l'impression d'entendre des grognements. Voir un peu. 93, ça va. Et je crois qu'il est à 96, je crois. T'es sérieux, là? Sans déconner! C'est moi ou mon endurance, elle est pas revenue? Genre de tir à l'arc. Ah, c'est parce que je suis fatigué. Bon, bah ça fait 4 loups. C'est bien. Ok, le vent se lève, mais normalement on risque rien. On peut peut-être faire de l'eau. Okay. What? Aïe, aïe, aïe. Sans déconner, ça va faire 5 loups au même endroit. Par contre, l'eau va prendre du temps à être faite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, en fait, faut juste aller à l'extérieur. Faut juste continuer à camper à l'extérieur. J'ai peur en fait, parce que je voudrais passer du temps, genre faire mes vêtements, les réparer, tout ça, machin. Mais il y a tellement de loups. On pourrait même dormir à la belle étoile si on veut. Alors, il est où? Le problème, c'est que l'ours, il est pas à côté du feu. Donc on n'est pas tellement... Il est là. Ah tiens, mon endurance est... Ah non, elle vient de descendre. Vous avez vu? C'était bizarre. Genre, mon endurance était pleine du tir, puis après, elle s'est mise à la moitié. Je sais pas pourquoi. C'est quoi? Ça mimique, en fait, mon endurance de sprint, c'est ça? Depuis quand? Peut-être depuis toujours. Je sais pas, peut-être c'est des choses. Des fois en fait, je commence à... Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre un screenshot. Et il n'y a
pas de plume, hein, c'est bien, merci. Des fois, je me demande, est-ce que c'est des problèmes du jeu, ou alors, est-ce que c'était comme ça avant? Des fois, j'ai des doutes. J'avoue que j'ai de plus en plus de doutes à chaque fois. À chaque fois qu'il se passe quelque chose que je ne connais pas, ou alors que j'ai pas vraiment fait attention, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu compliqué. Je vais être honnête, des fois... ma connaissance du jeu commence à être étrange. commence à être, être un peu étrange. On va poser les boyaux. On a vraiment un super endroit là pour faire du feu. C'est la première fois que j'utilise ce truc, c'est vrai que je devrais l'utiliser plus souvent. Parce qu'il est pas mal placé. Et puis le feu, il est complètement protégé. Ce qui me fait peur, c'est cette, c'est ça là. Cette petite montée. J'ai entendu un bruit. Bah, c'est cette petite montée là, parce que du coup... on voit pas trop ce qui arrive. C'est deux trucs différents, c'est bête. Bon, après de l'eau, on en a à l'intérieur. 23 minutes. Bah, attendez. Oh mon dieu, je te déteste le jeu. Arrête de poser ça en premier, quoi. Pose la viande d'abord. Ah, personne vient me bouffer la nourriture. Sinon, je vais m'énerver. Alors, au non potable, 6 minutes. Le problème, c'est que, aussi, pour ceux qui savent pas, l'ours va disparaître au bout d'un moment. Donc, le mieux, c'est de tout prendre maintenant. Enfin, essayer de prendre énormément de calories, de viande. Comme ça, on est tranquille pendant un très long moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, même les loups, il faudrait que je les prenne aussi. Techniquement. Attendez, l'eau, elle doit être finie. Techniquement, il faudrait prendre les loups aussi. C'est surtout tous les boyaux là. Ça aussi, ça pourrait aider. Ah, donc 40 minutes. J'ai une question, combien de temps il faut pour... Ah, bah les loups, ils ont changé de place, vous avez vu? Ces deux-là, ils se touchaient normalement. Ah putain, je peux pas cliquer dessus. Voilà, wow, la hitbox, quoi. Oh là là. Oh mon dieu, la hitbox, elle est toute buggée. Ça, c'est parce qu'ils sont trop proches l'un de l'autre. Non, non, d'accord, ok, même ça. Combien? Une heure pour le découper. Sept minutes pour un boyau, quoi? Parce que lui, il est gelé, c'est ça? Ah non, c'est 7 minutes maintenant. What? Objet gelé. Non mais on est d'accord que c'était pas 7 minutes tout à l'heure. C'était 20 et quelques. Ou je deviens fou là. Qu'est-ce qui se passe? Non? Non, je deviens fou peut-être. J'en sais rien. Bon, je sais plus. Bref, pas grave. On s'en fout. On va rester calme. Pas besoin de commenter sur ce qui se passe. C'est pas grave. Vous inquiétez, tout va bien, tout va bien.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dort ou on fait encore un peu plus de nourriture? 25 minutes. Si on dort maintenant, je pense qu'on va pas être assez reposé. Enfin, non, si on attend un peu plus pour dormir, on va pas être assez reposé. Quand il fera jour. Il nous reste 19 minutes. On peut découper un peu plus de viande. J'arrive pas à avancer à cause du vent. Est-ce que je peux me cacher du vent avec le... Ça serait bien que ça marche, ça. Système de se cacher avec les carcasses d'animaux. Parce que les carcasses, on peut pas les passer. C'est vraiment des objets, quoi. Donc, pourquoi pas bloquer le vent aussi. I can't feel my hands. 31 minutes. Je me suis un peu trop approché. Je crois que j'ai bumpé le barbecue. Je pense qu'on peut pas se brûler avec. Après, je conseille pas de tester. Mais... 45 minutes, 41 minutes, ça devrait aller. Il fait froid, donc ça devrait aller. Bah attendez, on va prendre une torche. Ouais, c'est bon. On va aller dormir. Bref, mettre fin à l'épisode ici, mais je pense pas mettre fin à l'épisode ici. Encore. Alors. Ça. Non. Non. Évidemment, c'est les chambres les plus éloignées. Bon, très bonne chose qui s'est passée là. On a juste le coup du... Le coup des loups, c'était pas vraiment prévu en fait. Mais bon. Très bien, on va dormir le plus possible. Et on va quand même aller jusqu'au mont Timberwolf, je pense. Je suis bon? Ouais, je suis bon. Okay. Je vais être franc, hein, j'ai jamais eu autant de loups au mètre carré à chaque fois. Depuis la dernière mise à jour, c'est très très souvent comme ça. Quand même. Beaucoup de loups dans la région, oui. Beaucoup de loups dans le même endroit, non. Donc bon. Repos amélioré fini. Ouais, on a utilisé notre repos. Par contre, on a des tourtes au gibier. Ça, c'est un peu le problème. Tourtes au gibier, du coup, c'est ça compte comme de la nourriture, de la viande. Donc, on a un peu ce problème-là où on sent la nourriture. Si on prend deux steaks, ça m'embête un peu. Alors, on va faire ça. On est à 45-12, ça va, on aura assez. Donc, ça y est, les hitbox sont revenus, ça va. Allez, on s'en va. On a... Ah, je crois qu'on va avoir une tempête. Je crois qu'on va avoir une tempête, mais je voudrais quand même avancer. On est dans la bonne direction, normalement, ouais, là c'est à l'opposé directement en fait. Ouais, ça devrait être bon. Pas mal d'eau, pas mal de viande, c'est bien. Je suis content.
Ah, le vent s'est arrêté, ça va. C'est un peu calmé. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est pas des pigeons? Enfin, des oiseaux, pardon. C'est pas des pigeons. C'est pas des oiseaux, ça c'est trop petit pour que ça soit des lapins. Ça là. Quoi que c'est peut-être un lapin. Non, c'est peut-être un lapin en fait. Genre... Non, c'est un lapin. Il faut que je me rappelle par où passer. Où est-ce que est le bunker et la corde en fait? C'est vrai que j'ai un peu oublié. Je pense qu'après ça, on devrait pouvoir le voir. Bon bah c'était une bonne chasse, j'avoue que là. J'avoue que j'ai eu un peu peur avec les loups. On va dire ça, c'était un peu stressant. Oh merde, je suis où là? Ouais, c'est bon, on peut passer, je crois. Pas vraiment le meilleur passage au monde, mais ça nous évitera de faire le tour. Très bien. Ça, je connais. Donc si on continue par monter sur la gauche, là, on va au crash, en fait. Au crash de l'avion. Nous, ça nous intéresse pas. Ah, putain, il y a ça. C'est pas grave, on le prend pas. Ça va juste nous augmenter le poids pour pas grand chose. Alors on a la maison ici, on peut se réchauffer. Faut que je regarde la carte vite fait pour être sûr. Normalement, je fais tout droit et après, à un moment, à gauche, on aura la corde. Je crois que c'est comme ça. Et de ce côté-là, c'est l'inverse. C'est pour monter et pour aller directement au crash de l'avion, hein, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Ok, on fait voir la carte un peu. C'est ça. C'est vrai que je dessine. Nous, on doit être là, je crois. Ou là. Hein? Là ou là, en fait. Ici ou ici. C'est vrai que ici, j'ai pas de. J'ai rien. J'ai même pas trouvé de Polaroid, en fait. Je suis en train de me demander si on l'a. Il y en a un, parce que j'ai fait tous les endroits, en fait, qui sont connus de la zone. Donc, du coup, c'est un peu étrange de jamais avoir trouvé de Polaroid. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment on pourrait passer le temps juste pour se réchauffer vite fait? Pas grand. Genre un truc qui dure 10 minutes, ça serait bien. Mais j'ai rien en fait. Bon, on ressort et on va dessiner. Ah, j'ai pas de charbon sur moi. J'ai pas de charbon sur moi. Hop, pardon, je voulais pas mettre pause, désolé.
Ça m'arrive des fois, j'aime pas du tout faire ça. Désolé. Bon, on n'a pas de charbon. Je peux pas dessiner, c'est pas grave. Je pourrais dormir une heure et se réchauffer un peu plus. Non, on va se dormir là-bas quand on arrivera au bunker. Je suis quasiment positif que c'est comme ça de toute façon, donc ça va. On est à 44,97, c'est très bien. Je suis quasiment positif que c'est ça, de toute façon. Donc on devrait arriver à l'endroit où on veut dans pas très longtemps. C'est triste hein, le coup des flèches que j'étais en train de me dire, parce que maintenant qu'on sort l'arc, je vois le R là en rouge à chaque fois changer. Mais c'est vrai qu'au final c'est sympa 5 minutes en fait ces nouvelles flèches, mais ça c'est du poids en fait à chaque fois. Je crois que les flèches comme ça c'est 0,20 et la flèche normale c'est 0,25. Et vu le nombre de fois où on les utilise, voilà quoi. C'est marrant à la limite si vous chassez les oiseaux, mais bon, les oiseaux sont tellement rares, du coup, bah c'est pas tout le temps. Après, pareil pour les lapins, vous pouvez chasser les lapins, mais bon, vouloir des lapins, c'est parce que vous avez vraiment envie des pots à la limite, pas de la nourriture. Donc, voilà, elles sont juste bonnes pour ça, en fait. Vu qu'elles sont pas bonnes, du coup, pour les menaces. Bah ouais, du coup on les utilise quasiment pas. Donc j'avoue qu'au final j'en porte plus, ça sert quasiment à rien. Là on a des champignons, mais on va pas les prendre ceux-là. De toute façon, si jamais on revient ici on les prendra, mais vu qu'on est sur le chemin d'aller, on va pas les prendre. Quand on est sur le chemin de retour. Par contre, là, il y a une maison abîmée. Je crois que je suis jamais venu ici. Il y a plein de champignons. Il y a ça. Pas mal pour un camp. Ça m'embête de pas avoir pris de charbon. Faudra vraiment qu'on prenne du charbon. Ouais, ça m'embête beaucoup. Lui aussi il m'embête. Aïe 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 aïe. On a quoi sur notre tête? Genre un marqueur, genre tueur de loups, c'est ça? Bon après je sais que j'ai... Ils peuvent me sentir d'un peu plus loin que la normale, mais quand même... On a déjà tué 5 quand même. Allez, 2 de plus. L'autre il est en stand-by. Maintenant c'est lui qui va nous pourchasser. Je vais être franc, je reconnais pas l'endroit. Je crois que je me suis perdu. Je crois que j'étais pas assez proche de la montagne en fait. Ouais, je crois que j'étais pas assez proche de la montagne. On commence à faire du vent. On aurait pu résoudre tous nos problèmes avec un morceau de charbon. Un seul. Juste un seul. C'est triste, hein, quand même.
Aïe aïe aïe. On a un loup juste devant. Ah, je... Ouais, là-bas, il y a l'embouteillage, je crois. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. C'est bon, on va y arriver. On n'est pas très loin. J'ai juste tourné la carte bizarrement dans ma tête, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est un peu perdu. C'est pas grave, tout va bien. Attends, il est où, à droite? Ou c'est celui-là derrière moi? Il est là, ok. Alors, est-ce que c'est là? Ou là, c'est la grotte, peut-être? Non, c'est bon, c'est la corde. On est bon, on est bon, on est bon. Let's go. Disparition. Hop là. Ouais, j'étais pas assez contre la paroi, en fait. Oh mon dieu, on voit rien. J'étais pas assez contre la paroi, du coup... Du coup, c'était un peu catastrophique. On va regarder vite fait. Se mettre là. Parfait. Bon, du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va dormir. On va dormir 2-3 heures quand même. Parce que de toute façon, on va monter une corde, donc ça va nous fatiguer. Ça va quand même nous fatiguer, de toute façon. Donc on va dormir quand même 2-3 heures, histoire de récupérer un tout petit peu de vie. Puis après, quand on sera au Mont Timberwolf, je crois qu'on finira la nuit là-bas. Je pense qu'on va faire ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.